service Concis, c'est un service de coordination et de navigation pour les enfants qui ont une complexité de niveau intermédiaire. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient soutenir les familles qui sont suivies par plusieurs spécialistes pour des problèmes de santé qui affectent plusieurs systèmes et qui font que les familles ont des fardeaux de soins assez élevés. Ici, à l'hôpital de Montréal pour enfants, Milo est suivi par plusieurs spécialistes. C'est un neurologue. Il est suivi avec un ORL. Il est suivi en génétique. Il y a un chirurgien qui s'est occupé de lui pour sa gastrostomie, sa biopsie musculaire. Donc, il s'agit de garder un œil sur tous les rendez-vous qui sont à venir. Il y a plusieurs spécialistes qui doivent être vus régulièrement, mais en plus, il y a des petits imprévus, des situations plus aiguës que les parents doivent gérer. Ils doivent savoir à qui se tourner. L'avantage pour les équipes médicales, c'est que les soins sont mieux organisés. Avant qu'on s'y, régulièrement, je me pose la question. Je ne sais pas ce qu'ils faisaient les parents. Au quotidien, ce programme-là facilite grandement nos suivis avec Milo. C'est vraiment rassurant, là. Certaines familles ont seulement besoin d'aide à organiser leur rendez-vous, mais d'autres familles, ils ont besoin de soutien d'un pédiatre ou de soutien d'une infirmière. Entre les rendez-vous, quelqu'un à appeler quand on ne sait pas trop quoi faire. Puis nous, on peut leur offrir un petit peu de guider pour essayer de soulager finalement toutes les inquiétudes qui viennent avoir avec le fait d'avoir un enfant qui a des besoins particuliers. Le soutien d'Opération Enfant Soleil, c'est essentiel. Ça nous permet d'être dans les pionniers, ça nous permet d'innover, ça nous permet de faire des interventions qui ciblent directement les besoins des familles. Un immense merci. Merci de vous joindre à nous pour soigner, pour aider, pour adoucir, pour rassurer, pour aimer nos petits-enfants qui ont vraiment besoin de soutien pour vivre leur vie finalement.